D'habitude, je fais que de l'offre. Mais cette fois-ci, j'ai voulu faire mixte parce que je participais à l'événement, la fille dans tous les sens. Et donc, je savais que le public allait être différent, c'est-à-dire un public qui ne me connaît pas, mais un public de tous les jours, un public de personnes qui sont venues un petit peu voir les stands d'artistes africains, qui sont venues voir le défilé. Et je ne pouvais pas faire que de l'homme parce que ça n'allait pas coller, parce que l'assistance étant très mélangée. Donc, il fallait que je m'adapte à la situation. Cette fois-ci, j'ai voulu des choses fluides, vraiment des choses dans la tendance, des imprimés, de belles matières, mais beaucoup de choses fluides, quoi, beaucoup de choses qui se portent comme une caresse. On avait aussi beaucoup d'accessoires, des chaînes, des colliers. Oui, par contre, là, j'ai collaboré avec deux grandes créatrices. Pour moi, ce sont vraiment deux grandes créatrices. L'une qui fait des bijoux pour femmes, Edmige Joachim, qui fait vraiment des bijoux pour femmes. Son matériau de protection, ce sont les perles. Et l'autre créatrice, c'est Kémé de Inspiration, qui fait des bijoux pour l'homme. Qu'est-ce que ça visait dans les bijoux pour l'homme? Effectivement, c'est notre deuxième collaboration parce qu'on avait déjà collaboré sur un défilé, mais comme ça, c'était vraiment spontané. Et là, ça s'avait très très bien pris. Donc là, on a décidé qu'on renouvelle l'expérience. Et encore une fois, j'ai un bijou de Kémé, c'est comme si on est habillé quelque part, même si on est habillé de vêtements tous les jours, on met un de ces bijoux et tout d'un coup on peut aller quelque part. Quoi, donc, Et en fait, cet accessoire-là, c'est moi qui l'ai dit un petit peu à l'instance. Parce que là, j'avais vu quelque chose que je voulais bien. Je lui ai décrit et vraiment, elle a répondu au-delà de mes espérances à ce que j'attendais. Donc, je suis très contente. À moins qu'on propose quelque chose et que voilà, là, si on propose quelque chose, on peut partir. Mais en tout cas, il n'y a rien de prévu. À la rentrée en septembre, donc je serai en Martinique où je défilerai avec Afroca. Je ferai le défilé Afroca et je participerai. Et ensuite, retour à Paris pour la prochaine collection d'hiver en janvier. Qui a vu aujourd'hui ce défilé veut se procurer certains vêtements, certains accessoires, comment on peut faire? Outre le fait que j'ai été là et que j'ai distribué des cartes, je suis sur Facebook pour mettre l'acteur. Donc on m'envoie un message et puis on rentre en contact. Ou encore, j'ai une adresse mail, leshommesde@hotmail.fr. Donc un petit mail et ensuite on rentre en contact comme ça et après je suis au gré de défilé. En terminant, parlez-nous un peu de votre collaboration avec Alvina Karamoko. Alors, avec Alvina, déjà on s'est rencontrés, on s'est plu et on a pris un moment à travailler ensemble. Mais on s'est suivis, elle connaissait mon travail depuis longtemps. Et effectivement, un jour on a eu l'occasion de collaborer sur le premier laboratoire. Et elle me dit, ça fait longtemps que je connais ton travail et tout machin. Donc après on a collaboré déjà comme ça, donc c'était un événement auquel je participais. Et ensuite j'ai voulu qu'on collabore toutes les deux parce qu'elle a vraiment une manière de faire avec les mannequins que j'admire. Et puis c'est quelqu'un aussi qui se lance à fond, qui est là, qui vous dit je vais être là, et qui est là, qui vous dit je vais trouver des mannequins, qui trouve les mannequins, qui vous dit qu'est-ce que tu veux comme chorégraphie. Et malgré le fait qu'elle soit chorégraphe,
elle ne fait pas sa chorégraphie, elle fait la chorégraphie qui va avec votre personnalité, qui va avec la personnalité de votre défilé. Et ça, je suis contente de pouvoir le voir. Parce qu'une jeune femme précieuse à suivre. En tout cas, nous, on est là avec elle et je... moi et elle, on n'a pas fini. Merci beaucoup. Merci à toi.